Salut Samuel, j'ai pris le temps de te répondre un petit peu par ma petite vidéo. Tu me diras si ce format te convient ou ça ne te convient pas. Et j'ai appelé de manière assez marrante, j'espère, nos petites émissions Airbnb, puisque c'est Buisseret et Bruxellian. Ça m'a semblé rigolo de faire comme ça. Tu me diras si tu vois une objection. Pas de problème de mon côté. Je voudrais te répéter mes réserves sur l'exercice qu'on va essayer de faire, puisque j'ai eu le plaisir de travailler sur trois émissions où je pense l'essentiel a été dit, mais rien n'empêche qu'on puisse revoir certains points ensemble bien volontiers. Alors, première question, puisqu'on est dans les présentations, qui est Samuel? J'avoue que je préfère te demander directement à toi plutôt que de regarder par page internet interposée. Je voudrais savoir notamment quelle est ta formation universitaire. Je voudrais connaître aussi tes éventuels conflits d'intérêts, s'ils existent. Et puis, te demander quand même une question qui me démange, puisque je me suis donné la peine de prendre 3 heures pour répondre à 15 minutes à peu près de ton émission sur l'homéopathie. De demander comment ça se fait que, de manière flagrante, je veux dire, tu n'as pas du tout creusé la question. Donc, tu as tout à fait le droit de me dire, oui, en effet, j'ai été trop léger et je suis tout à fait prêt à l'admettre. On a décidé de parler entre gens de bonne compagnie. Je suis moi-même un mec relativement sympa, il paraît. Donc, c'est comme ça que je te trouve aussi. C'est pour ça que je suis là. Donc, je voudrais que tu puisses éventuellement me répondre à ces questions-là. Par ailleurs, en ce qui me concerne, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je crois que j'ai dû recevoir dans ma vie un agenda de la part du laboratoire Schmidt qui, à l'époque, me remerciait du coup des prescriptions que je faisais à mes patients. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à déclarer. Comme je l'ai dit, ce qui est très fatigant avec toutes ces histoires de sceptiques, c'est que je pourrais, si tu veux, faire moi-même le sceptique, tellement les arguments sont absolument photocopiés, et que quand tu les lis en Australie, quand tu les lis en Angleterre, quand tu les lis en France, c'est vraiment affligeant de voir le copier-coller que ces gens se font les uns avec les autres. Donc, je crois que je suis arrivé à la conclusion logique qui est que certainement les sceptiques ont découvert la télépathie, puisque si nous partons du principe qu'ils pensent tous de manière indépendante, je vois pas trop de quelle manière on peut expliquer ce phénomène. Peut-être que tu as une meilleure explication de ton côté. Donc voilà, sous toute réserve, en espérant qu'on puisse rendre un petit peu les choses utiles pour les gens, j'espère que notre petite série d'émissions pourra plaire. Alors déjà, il me semble utile aussi pour les présentations de corriger justement ce que tu as dit dans ton premier clip qui n'est pas correct. La coordination n'existe plus depuis belle lurette, puisque à l'époque c'était en 99, je me suis retrouvé impliqué là-dedans parce que le gouvernement français à l'époque voulait interdire ce qu'on appelle certains NOSOT, c'est-à-dire des préparations qui sont faites à base de produits pathologiques. Et là aussi, ça sera un chapitre si tu désires qu'on évoque ce sujet. Donc à l'époque, Internet était encore mal connu. Nous, on était bien implantés par Planète Homéo et on a pu faire partir 300 000 cartes postales, ou plutôt arriver 300 000 cartes postales auprès du gouvernement, ce qui a permis de le faire fléchir et qu'on nous foute la paix. Voilà. Donc je ne sais même plus comment s'appelait le ministre de l'époque, mais on s'en fout éperdument puisque ces gens-là sont en place pour la défense des intérêts de l'industrie. Et tu remarqueras une chose intéressante, c'est qu'on oublie totalement les noms de ces personnes, alors que bizarrement, tous les grands noms de l'homéopathie ont traversé les siècles. Ça, c'est un indice qui me semble assez fiable. L'école nationale d'homéopathie, pareil, tu me cites, mais l'école n'existe plus non plus depuis 99. Donc tu vois que tes informations sur Internet sont passablement vérolées. Pour résumer, il ne reste que Planète Homéopathie, donc c'est vrai, je suis quand même très fier parce que c'est mon bébé depuis 1996. J'ai diffusé beaucoup de textes et d'articles pour défendre l'homéopathie. Et finalement, l'idée de base, c'est que l'homéopathie est pour le moins malmenée par des gens qui la pratiquent ou qui croient la pratiquer sans l'avoir jamais étudiée. Et je suis très content de te dire que grâce à mes efforts sur Internet, entièrement avec mes fonds privés, puisque je me suis payé le matériel vidéo qui actuellement me sert à te parler, et à enregistrer des cours, puisque le problème, c'est que si on veut former correctement les gens, il faut au bas mot 500 heures de formation pour arriver à concevoir à peu près l'ensemble de l'homéopathie. Notamment, ça nous permet de poser aussi une autre question qui est très importante, c'est que qu'est-ce qu'on peut appeler un homéopathe? Parce que tu penses bien que je ne suis pas solidaire. De beaucoup d'études qui sont faites au nom de l'homéopathie et où on voit les principes élémentaires de l'homéopathie bafoués, donc ceci ne peut pas s'appeler de l'homéopathie. Il me semble tout à fait important, si tu veux déjà, dans une première mesure, de définir qu'est-ce que c'est que l'homéopathie. C'est, j'espère, quelque chose que tu me demanderas aussi, et sinon que j'aborderai pour notre prochaine fois.
Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que de la même manière que si tu prescris un cachet d'aspirine, tu ne deviens pas forcément un médecin. De la même manière, si tu donnes un globule d'arnica, tu ne deviens pas un homéopathe pour autant. Alors, toutes les mères le savent, parce que c'est un phénomène qui devrait attirer l'attention. La moindre maman qui donne arnica et qui voit régresser la bosse que son fils ou sa fille vient de se faire pose la question suivante, c'est que si ça fonctionne avec arnica, pourquoi ça ne fonctionne pas avec le reste? Et ce sont toujours avec des petites particularités comme celle-ci qu'on débusque généralement dans l'histoire des sciences un nouveau paradigme. Par exemple, à l'époque où on pensait que l'essieu était inamovible, le fait qu'il y ait une nouvelle étoile, une nova, on a gardé le nom, qui apparaisse, remettait en cause l'ensemble de la perception du ciel et de la cosmologie. Donc ici, de la même manière, le fait que Arnica, tout le monde peut constater que ça fonctionne, est un gros pavé dans la mare aussi. Donc là aussi, ça sera intéressant de nous expliquer que ces mamans, elles doivent rêver, ou elles ont mal compris, ou je ne sais quoi encore qu'on pourra inventer. Voilà. Donc je pense qu'il est vraiment important de définir tous les critères avant de parler. Et ça me fait rebondir très rapidement sur le niveau lamentable de formation actuelle de la médecine. Alors heureusement, il reste des gens motivés et qui vont essayer d'acquérir les outils médicaux, mais aujourd'hui, tu imagines que la plupart des gens ne sont même plus capables de faire un examen clinique correct. J'ai vu encore, il n'y a pas très longtemps, un patient qui consultait pour une douleur de la hanche chronique. Donc il a eu radio, scanner, IRM de la hanche, il a consulté deux spécialistes, et pour finir, j'ai été le premier à le faire déshabiller. Et pour constater qu'en fait c'était une douleur d'herpès, de zona si tu préfères, pardon, qui était dans le dos et qui irradiait à la hanche. Et personne ne l'avait examiné et ce monsieur avait généré des milliers d'euros de coûts médicaux. Donc ici c'est quand même frappant, dans ma slide c'est pareil, si les étudiants ont aujourd'hui besoin d'un scanner et d'un IRM pour faire un diagnostic de pneumonie, ça donne une vague idée de ce qu'est devenue la médecine actuellement. Et nous devrons aussi du coup parler de l'état lamentable de la médecine. Et l'état lamentable aussi des étudiants en médecine. J'ai une thèse à te sortir récente sur l'état de santé de ces jeunes gens et on pourra en parler si tu veux. Donc, ce qui est déjà frappant, c'est de voir le niveau de compliance de ces étudiants qui avalent tout ce qu'on leur raconte sans pratiquement faire la moindre critique. Et ça, c'est aussi perturbant. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve, et toute la filière mène à ça, c'est-à-dire de former finalement des techniciens qui sont complètement, comment je peux te dire, à des années-lumière de la réalité clinique des patients. Parce que c'est bien joli de nous sortir des études, des machins, mais qui va se donner la peine d'aller voir de temps en temps comment les patients se sentent, est-ce qu'ils sont ravis ou pas de leur traitement? Et finalement, toute cette médecine ne sert qu'à produire des examens et des actes médicaux, toujours qui s'empilent comme des strates et qui génèrent effectivement des quantités absolument faramineuses d'argent. D'ailleurs, à mesure de robotiser les médecins, comme je te le note ici, je pense que la prochaine étape, ça va être de se taper la vraie médecine scientifique, celle qui sera faite par l'intelligence artificielle, et on va pouvoir bien rigoler quand on en sera là. Et si tu veux, je pense que c'est vraiment aussi un sujet très important d'aborder, à savoir la vision parfaitement industrielle de la médecine et les atrocités auxquelles ça va nous mener avec l'amélioration de l'homme, il paraît, on est prêt à rigoler. Du coup, l'homéopathie elle-même n'a pas été épargnée. Il faut bien croire que on fait partie, on baigne dans le même problème. Tout ceci, d'ailleurs, ce que je te raconte n'est pas nouveau, puisque Ivan Illich avait déjà largement vu venir le problème. Et son seul tort à Ivan Illich, ça a été d'avoir raison avant tout le monde. Je te recommande d'aller lire sa Némésis médicale, qui existe, je pense, en français, oui. Et tu seras, je pense, tout à fait étonné de voir la prescience de ce très grand philosophe qui commence à être, je crois, un peu plus étudié. Donc l'homéopathie, ben, le problème c'est que c'est compliqué. Et oui, et que non seulement c'est compliqué, mais ça demande beaucoup de travail, et ça demande du courage, et ça demande des efforts. Donc depuis le début, les gens ont trouvé que c'était trop compliqué, ils se sont mis à simplifier, simplifier, simplifier. Résultat des courses, on est arrivé quand du vivant de Hahnemann, il se pointe à Paris pour voir comment pratiquaient les médecins parisiens. Alors là, il fait des grands yeux et il leur dit, mais enfin messieurs, dans un art qui sauve la vie, négliger d'apprendre, c'est criminel. Et effectivement, les propos de Hahnemann, là encore, sont avérés prophétiques, parce que quand on voit le nombre de types qui vous donnent de l'homéopathie sans l'avoir apprise, on en est là. En ce qui me concerne, donc, pour en revenir à ma petite personne, je peux résumer parce que oui, j'ai passé 3 décennies au front. C'est vrai que je me suis lancé dans la médecine pour devenir homéopathe, donc j'ai validé ma pratique de médecine générale à la fac de Grenoble. Et
comment te dire, ce qui est vraiment terrible dans une pratique de médecine générale, en gardant les yeux ouverts, c'est de voir cette infinie misère des gens, cette détresse, mais permanente. Les gens arrivent, ils n'en peuvent plus, ils prennent des traitements dont ils ne voient pas la fin, qui sont remplacés par d'autres traitements dont on ne voit pas la fin, qui vont provoquer d'autres troubles par les interactions médicamenteuses. Et donc, je veux dire, le symptôme est évident que la plupart des médecins qui sont lucides finissent par ne plus faire de médecine. Ils sont tellement dégoûtés qu'ils deviennent hommes politiques, qu'ils deviennent businessmen, qu'ils font ce qu'ils veulent, mais ils veulent tous sortir de la médecine, ce qui est normal. Donc, en fait, si tu veux, il y a un énorme décalage entre ce qu'on nous vend sous la forme de méga publicité, la science, le microscope, le mec en blouse blanche, tout ce que tu veux, et la réalité absolument pitoyable des malades qui sont condamnés à soit errer de médicament en médicament, soit errer de médecin en médecin. Alors, ça, la Sécu, il veille, on n'a plus le droit de faire le nomadisme médical, c'est assez amusant. Et ce qui est terriblement la réalité qui est celle d'un vrai médecin homéopathe, c'est que toute cette souffrance depuis des années, tu arrives à donner un traitement ridicule qui vaut rien, parce que la plupart du temps, tu donnes des globules à tes propres patients, et tu arrives du coup à un résultat qui est qu'en quelques jours, souvent quelques semaines maximum, ils sont complètement guéris. Donc c'est tout à fait déprimant. Et là encore, je te demande quelle est la pratique pour un médecin qui aurait 30% de réussite avec le placebo. Je peux te dire que son cabinet ne devrait pas durer très longtemps. Voilà. En un mot, j'ai fait donc, comme je t'ai dit, mes études à Grenoble et j'ai notamment travaillé en médecine infectieuse auprès du professeur Micou et je soignais mes patients avec l'homéopathie avec des résultats tout à fait sidérants. Puis j'ai aussi eu un autre stage en hôpital périphérique dont je te tairai le nom puisque dans ce périphérique-là, j'ai fini par avoir mon patron qui m'a convoqué. Il me dit, mais tu ne te souviens pas qui m'a appelé? Non, je vois pas. Et il me fait, voilà, c'est la propriétaire de la pharmacie en face qui m'a demandé de t'interdire de prescrire l'homéopathie. Parce que depuis que tu sévis, son chiffre d'affaires s'est cassé la gueule. Donc voilà un petit peu la réalité à laquelle on se frotte quand on est homéopathe. Sans rajouter là-dessus le fait que, toujours avec mes propres sous, j'ai voyagé beaucoup dans le monde entier et on pourra évoquer cette notion essentielle du niveau de santé des gens en Europe qui est tout à fait lamentable, ce qui m'a permis heureusement de me frotter à toutes sortes de maladies qu'on ne voit plus, comme le choléra, avec des résultats tout à fait épatants, puisqu'il suffisait d'une demi-journée de traitement pour avoir des résultats. J'ai tenu aussi le service des urgences au Burkina Faso, à l'hôpital de Bobo, où j'ai soigné aussi les gens qu'avec l'homéopathie. Mais je pense qu'ils n'étaient pas au courant que c'était du placebo. Ils avaient l'air d'être plutôt contents, les gens. Voilà, donc l'idée, c'est de me qualifier, je pense, comme un homme de terrain. Moi, ce qu'il me faut en tant que médecin, je veux des résultats, je veux guérir mes malades. Et tu verras ici le premier paragraphe de l'organon. C'est par ça que Hahnemann commence en disant la plus haute et même l'unique vocation du médecin, c'est de rétablir la santé des gens malades. C'est ce qu'on appelle guérir. Je peux développer là-dessus aussi pendant un bon moment si tu le désires. Voilà, je pense que ça résume tout le problème, à savoir que, ben oui, il n'y a que les gens qui ont cette volonté d'aller guérir, cette volonté d'aller au front, cette volonté d'aller au contact des malades, qui vont se donner la peine de dire, bon, ben merde, j'essaye, qu'est-ce que c'est que l'homéopathie? Et ils sont obligés de constater les résultats. Les autres, ben, ils vont tourner dans leur petite tête, à sortir des arguments fallacieux pour, contre, etc. Mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ne sont pas réellement intéressés par le sort des malades. Et c'est ça qui fait toute la différence. Moralité, du coup, tu vois, tu t'es documenté indirectement sur ma petite personne, du coup, tu t'es retrouvé avec des informations fausses, tronquées, inexactes. Et tu vois, c'est ça l'exemple nous donne les limites de tout ce qui n'est pas le fait d'expérimenter sur soi. Et ici, la phrase d'Einstein s'impose, c'est-à-dire que la connaissance, pardon, s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Et je pense qu'il avait tout à fait raison. Et c'est pareil pour l'homéopathie. Si tu veux avancer, voir la médecine de près, regarder la réalité des gens souffrants, des gens qui sont chroniquement intoxiqués avec un résultat lamentable, eh bien effectivement, tu vas finir par comprendre que la seule manière de faire, c'est d'essayer par toi-même, sachant que de toute façon, c'est certainement pas dans les journaux que tu pourras avoir des réponses. Voilà, fin de l'émission. Et ben, rendez-vous à la prochaine.